Eh ben dis donc, tu chômes pas aujourd'hui? 8h du matin? Déjà sur les réseaux? Eh oui, je suis comme ça, moi, monsieur. Les followers n'attendent pas, hein. Est-ce que t'as passé une bonne nuit, au moins? Oui, ça va. J'ai eu un peu peur que les loups nous attaquent, Oh, ça recommence, allez. Bon, je coupe. Et je vous présente le loup qui devait nous manger cette nuit. Je pense que de ce côté-là, on n'a rien à craindre. Amour, attention, il est derrière toi, hein? Bah, à tout moment, il veut me croquer. Prête pour ta douche? Prête! C'est parti! Allez, youhou! C'est bon. Le Le cucu, c'est déjà fait, hein? Ah, bon, d'accord. Non, non. Salut, Salut les voyeurs! Dis donc, ce matin, t'étais bien pressé de décamper. Ouais? T'as vu la chaleur qu'il faisait ce matin? À 8h du matin déjà? Ouais. Bah, je suais des gouttes gros comme mon pouce. Oh, Nini! C'est un gros pouce en plus, hein? Ouais. Non, super chaud, moins de 30 degrés déjà. Oh, donc ouais. Là, on est sur la route. On a fait une petite pause parce qu'il y a des dodanes, des virages. Ouais, la route, elle est chaotique. Ouais. Donc, on va, tu m'as dit? Je t'emmène te rafraîchir. Bien? Ouais, je t'emmène te rafraîchir dans les gorges de Saclikent. Très bien. C'est pas loin. Mickey. 35 km au sud de la position de bivouac. Oh là là, il n'y a pas d'histoire, mais il y a de la géo du coup. Super. C'est bon, on peut y aller maintenant? Bah vas-y, roule. Allez. Oh, c'est beau, Wiki. Oui, c'est beau. L'eau est translucide. Hein. Ah ouais, carrément. Elle doit être bien fraîche. Elle descend de la montagne. Ouais. Elle traverse un canyon sur près de 18 km de long. Et ça monte à près de 300 mètres, les parois de chaque côté. Donc, on va aller voir ça. On a déjà payé le parking, donc 1,50€. Et l'entrée, je crois que c'est pareil par personne. T'as vu, c'est sympa, ils peuvent prendre un coup et les pieds dans l'eau. VTL, 2 euros pour deux. Allez, viens. Allez, Wiki, mets ton casque. Non, je ne vais pas mettre de casque. Allez, il faut faire plaisir. Oh, t'es beau. Allez, roule. Je pense que tu as quelque chose à dire. L'eau, elle est super violette. L'eau, elle est comment? Super violette, elle est décongelée. Ouais, elle est glacée. Glacée de chez glacée. Bon, à 10 TL le kilo, on va pas se priver. Okay. Super. Quoi? J'ai pris des prunes, parce que je pense pas que ce soit des couettes, même si ça y ressemble. Salut les chiens! Ça va?
On est bien là. Ouh. Réapprovision d'eau. Alors, ça t'a plu? C'était sympa, l'eau super fraîche. Mais c'est pas fraîche, c'est glacé, Calais. Ouais, ça vaut pas quand même le canyon qu'on a fait au Guatemala. Non, 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 parce qu'après, il n'y a plus d'eau en fait. Donc on fait que progresser dans le canyon et c'est tout quoi. Ouais. C'est joli, hein, mais il n'y a pas d'eau. On s'est mieux marré au Guatemala. Ouais, ouais. Mais bon, là, on est arrivé juste à temps, tous les touristes arrivent, il est pratiquement là, c'est blindé, là. Le parking est complet, là. C'est des bus qui arrivent. Ça aurait été moins sympa. C'est un lieu touristique, hein. C'est un parc en fait. Hein. Donc, Bref, maintenant, la direction. On va prendre la route en direction de Fethiye. On en a pour 1h15, pour nous 1h30 de route, je pense. Il me semble qu'on va visiter un village fantôme, je crois. Ouais, le village de Calicoy. On va pas raconter l'histoire du village maintenant, mais c'est à un petit peu moins de 60 km d'ici. Allez, c'est parti. Et je t'ai pris de l'eau glacée hein, dans le bidon. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se réchauffe dans la voiture. Tu m'étonnes. Dans 1 heure, c'est bon. Donc t'es bien installé? Non, pas bien installé, j'aimerais bien manger tranquille, mais on peut jamais. Il y a toujours cet ordinateur posé quelque part. Je travaille, monsieur. Tu ouais, crois... tu travailles. Eh oui, donc ce repas c'est... T'as pris apparemment un chili kebab, donc un peu comme un adana kebab apparemment, avec quelques frites. Oui, mais chili. Ah, moi je prends de la salade, ça va aller pour deux. Et en plat, j'ai pris un pidé. Poulet, voilà, il y a un peu de sauce, du pain, ça va le faire je pense. Bon, je finis de bosser et j'arrive. Ouais, bah moi j'attaque. Alors Wiki? Ben ça y est, on y est dans ce village, on a bien mangé. On est donc à Calicoy, à 10 km à peu près de Fethiye. Donc maintenant, il faut attaquer la visite, hein. C'est pas pour faire du cheval qu'on est venu ici. Hein. Wiki? Oui. Pourquoi sommes-nous dans ce village fantôme? Parce qu'il a une histoire, ce village fantôme. À l'origine, grec. Mais après la victoire de la guerre de l'indépendance turque, un accord sans précédent va être signé entre deux nations, les Grecs et les Turcs. Et on va en parler un peu plus tard. On va continuer d'explorer ces ruines. T'as pas trouvé un autre endroit que haut perché comme ça? Je suis bien là, non? Donc cet accord, il sera signé le 30 janvier 1923. Et il va être basé sur la religion. Il va se passer quoi? Ici, tous les Grecs et les Turcs chrétiens, direction la Grèce. Et en Grèce, tous les musulmans turcs, direction l'Anatolie. On a décidé de renvoyer chacun chez soi. Voilà, c'était ça cet accord. Et qu'est-ce que tu fais encore perché comme ça dans les arbres? Il y a plein de figues, elles sont super bonnes. Ouais, tu vois, je te l'avais dit. Je l'avais lu qu'il y avait des figuiers qui étaient en train d'envahir le village. Je vais te dire autre chose, moi. Même si tu l'avais pas lu, on les aurait vus. Allez, attrape au moins une ou deux pour moi là. Tu vas pas aimer? Oh, c'est chiant. Apparemment, elles sont bonnes ces figues. Tu m'en as trouvé une.
t'en remercie. C'est vrai qu'elle est très jolie. Mais est-ce qu'elle est bonne? Ah ah ah. Elle est succulente. C'est une dinguerie. Allez, la visite, là. Je l'ai suivi, il connaît le chemin. Ouais, viens, c'est par là. Il y a des flèches. Il n'y a rien du tout. On a réussi à se perdre. Il n'y a que les chèvres qui passent par là. Et toi? Oui, bah, c'est pas grave. J'ai trouvé un chemin, on redescend. Fais attention de ne pas glisser. Allez, descends, je t'attends là. Il reste un mètre là, merde! Oh là là! Le chantage, toujours le chantage! Allez, saute! Oui! Oh la sportive! Bon, les tipeurs, on est revenu à la ville. J'ai trouvé des cartes postales, mais. Je sais pas, je les trouve pas génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons quitté ce magnifique village fantôme. Ouh, ça faisait peur, n'est-ce pas, Wiki? Bah, ça faisait pas peur quand même. Mais c'est un village fantôme quand même. Ça reste triste hein, quand même, c'est pas Disneyland. Hein. J'ai pas dit que c'était Disneyland, j'ai dit que ça faisait peur. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce village? T'as oublié une info importante? Bah, ensuite, les gens sont partis, donc ouais. Le village a été pillé. Oui. Et c'est un tremblement de terre en 1957, un séisme oui. qui a réduit le village et qui l'a rendu en cet état. Et depuis, personne n'a voulu se réinstaller là-bas, voilà. Ce que je peux comprendre. Ouais, quand même. Donc maintenant, c'est bien beau tout ça, mais il fait 45 degrés, les vitres sont fermées. J'ai chaud, j'ai soif, j'ai envie de manger une glace, j'ai envie de me baigner dans la mer. Donc, direction. Je ne sais pas, c'est si on va à Marmaris, c'est ça? Bah, il me semble, non? Alors, on n'est pas près de la voir, la mer, il y a plus de 2h30 de route. Donc, super, bon ben, rendez-vous à ce soir, 22h30, pour la fin de la vidéo. Wiki, qu'est-ce que tu fais dans ce camping? J'installe notre maison. Pour cette nuit? Ouais, pour une nuit, ouais. Oui, parce que sur la côte, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile, et puis il est déjà presque 19h, quoi. Temps de prendre une douche, aller manger quelque chose, et revenir, faire le montage. Donc ce petit camping intimiste? Ouais, avec l'entrée de la voiture, 95 lira, 9,50€ pour la nuit. D'accord. Électricité, douche, pompant. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais. Me demande pas dans quelle ville on est, j'en sais rien. On devait aller sur Marmaris, mais on s'est arrêté avant. On s'est arrêté. Je sais pas si c'est pas Akaika, il me semble. Akaika. Peut-être. On verra ça plus tard. Waouh, tu t'es mis sur ton 31 pour aller à la ville? Non, c'est les dernières affaires qui me restent. Tout le reste, c'est à laver. Et là, on n'a pas eu le temps. On voudrait bien manger. On a posé la tente. On a pu prendre une douche. C'est déjà pas mal. Et on a trouvé une place rapidement dans le centre-ville. Le don du bled? Akaika. Akiaka. Je vais pas y arriver celui-là. T'es content, Wiki? C'est joli, mais la musique à fond dans chaque restaurant, ça fait beaucoup de musique. Oui, Wiki, un petit mot? Comme d'habitude, on a planté la tente juste à côté et on s'est fait inviter par les voisins pour partager encore de nouveau un repas, café, des pommes, des noix, enfin... Après, on va dire, on remet toujours une dose sur l'hospitalité turque. Ben ouais, mais on peut pas faire autrement. Partout où on va, on a invité. Je dois avoir une bonne tête, en fait. Vous avez vu sa tête? On a bien dormi, hein. Ouais. Ouais, t'as une belle tête, ouais, t'as bien dormi.
Bah, toujours. Maintenant que je laisse pousser les cheveux, voilà le résultat. C'est pas important. Non. Donc hier, on est resté à papoter avec nos nouveaux voisins jusqu'à pas d'heure. Ouais, c'était super, super sympa. On a refait le monde, on s'est raconté nos vies. C'était bien. C'était cool. Voilà, c'est innovant. Donc du coup, on va certainement rester une nuit supplémentaire dans ce camping, qui est très très bien d'ailleurs. Pas cher, sympathique. Il y a tout ce qu'il faut, toutes les commodités à portée de main. C'est cool. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais derrière nous, là, tac, en fait, c'est les gens qui ont les... Ils sont résidents à l'année. Enfin, non, ils viennent passer toutes leurs vacances ici. Ouais, c'est ça. Chaque année. Un peu comme dans le camping. Ils ont l'emplacement 17. Enfin, chacun le leur. Hein. Ils n'ont pas tous le 17. Il y en a, ça fait 40 ans qu'ils viennent. Et donc, sous ces bâches, ils mettent leur frigo, leur table. Du gros mobilier, leur sofa. Canapé, c'est leur maison est là, en fait. Ouais, la maison secondaire sous une bâche. Ils laissent ça là et quand ils reviennent en vacances, et hop, ils ont leur emplacement et leur petit bazar. C'est cool. C'est vraiment sympa. Et même ce qu'on a remarqué, c'est que souvent dans les campings en Turquie, on peut. Ils nous prêtent un frigo. Ouais. C'est génial ça. Ouais, chez nous, non. On ne prête rien. Non. Donc là, on s'est posé un peu chez les résidents. Ouais, on est venu hier crevé, on s'est posé là où il y avait de la place, ça avait l'air calme, on s'est posé là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va rester avec eux, comme tu l'as dit. Ouais, parce qu'ils veulent qu'on aille se baigner, ils veulent nous montrer un ponton où on peut plonger. On va prendre le petit déjeuner avec eux après. Tu vas faire des plongeons ? Ouais, des plongeons, ça sert à rien, je vais me jeter à l'eau, c'est déjà pas mal. Donc, hello. Le petit déjeuner se prépare. Ouais, donc on va vous laisser, on vous fait un petit tour pour vous montrer comment ça se passe. Ouais. Et puis voilà. Et puis c'est bien. Donc on espère qu'hier vous avez passé une agréable journée en notre compagnie et on vous dit... Bonne journée les petits. Allez, viens, on va le rentrer. Allez.